Salut tout le monde, c'est Silent. Donc, comme promis, je vous fais une vidéo commentée sur The Binding of Isaac. Donc, un jeu que j'ai terminé à 100%, d'où le fait que j'ai Golden God là, en fait, en page d'intro. Donc, dans ce jeu, le but étant de tuer sa mère, quoi. Et je vais pas spoil, mais une fois qu'on l'a tué un certain nombre de fois, on débloque encore un niveau supplémentaire où on va tuer un autre personnage. Donc, voilà. Donc au début, quand on commence le jeu, on a que Isaac et on n'a pas son objet le D6 là. Et puis les autres, faut les débloquer en faisant des choses. Par exemple, Kane, faut avoir un certain taux de pièces. Des trucs comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont tous des stats différentes. Bon, on voit qu'Isaac qui commence avec 3 cœurs là. Vous voyez, il y a 3 barres. Il commence avec plus, moins, peu, même quasiment rien. Donc, voilà. Donc, je vais vous prendre Isaac pour commencer, puisque personnellement, c'est mon personnage favori. Et son objet qu'on reçoit très tard dans le jeu, puisqu'il commence normalement, il n'a pas l'objet. Il est vraiment très puissant et il permet de nous faire un peu changer les parties, on va dire. Je vous montrerai ça tout de suite en direct. Donc on commence toujours dans la même salle quand on lance The Binding of Isaac. Et on commence au basement 1 à chaque fois. Donc on commence à chaque fois dans cette salle. Par contre, tout est généré aléatoirement le niveau complet. Par exemple, cette porte qui est ici, elle aurait pu ne jamais exister dans une autre partie, par exemple. Elle aurait pu être là-bas, ou tout simplement, il n'y aurait eu qu'une seule sortie, vous voyez, en bas. Donc, l'interface, vous voyez une carte en haut à gauche, type Zelda 1. On a le nombre des pièces, juste à droite, avec le nombre de bombes, le nombre de clés. Ensuite, on a le type de projectile qu'on a, là, en ce moment, des larmes toutes simples. Et l'objet qu'on tient et qu'on peut utiliser avec espace. Vous voyez les petits carrés juste à droite de l'objet? Ça va être le temps de reload en fait de l'objet. Va falloir faire finir des salles en fait, tuer les monstres qu'il y a à l'intérieur. Et puis ça va le remplir petit à petit. Et une fois qu'il est de nouveau tout plein là les petits carrés, vous pouvez réutiliser l'objet. Et donc Isaac commence avec 3 cœurs bien sûr. Sinon après là on peut voir les stats en détail. La botte donc c'est la vitesse de déplacement. Les flèches. Les trois flèches, c'est la vitesse d'attaque. L'épée, c'est les dégâts qu'on fait. Et l'arc, c'est la portée. Ensuite, en bas, vous voyez les items qu'on a ramassés. Donc là, pendant ce temps, il a que le dé qu'il a de base sur lui. Donc voilà. Donc, truc très important, à chaque étage, plus vite vous trouvez la salle en or, et mieux ça sera pour vous, tout simplement. Car vous aurez à chaque fois un objet dedans. Donc je vous le montre directement. Donc là on voit une tête de chien coupée. Ça va m'augmenter mes dégâts. Donc le dé là que j'ai sur moi, si l'objet me plaisait pas, j'utilisais mon dé et justement ça changeait par un autre objet. Donc là pour l'instant des dégâts ça me va très bien donc je vais les prendre. Donc chaque objet vous change un peu votre. On va dire. Votre tête, votre. À quoi il ressemble en fait, ça a changé votre tête. Par exemple, on peut ramasser un cintre, il va se le mettre dans la tête. Là, vous voyez, il a pris la tête du chien. Maintenant, il a des gros yeux. Comme un chien qui fait la tête du mendiant, quoi. Donc, au tout début, il n'y a rien de compliqué dans ce jeu. Puis, plus on avance et plus ça va être dur. Enfin, ça dépend si on chope pas mal de bons objets, les dernières salles vont être très très faciles. Puis après tout dépend de comment ça se déroule, hein. Si on chope que des points de vie tout le long, on va pas réussir à avancer facilement. On va pouvoir encaisser pas mal de coups, mais niveau dégâts, ça suivra pas, quoi, donc ça va être un peu dur. Donc là, j'ai ramassé un objet, c'est une carte. Il y en a plusieurs, il y en a une quinzaine, vingtaine, je sais pas exactement. Donc on la voit là affichée en haut à droite. Et donc, tout simplement, on l'utilise avec Q. On peut l'utiliser à n'importe quel moment. Par contre, contrairement au dé, l'objet qu'on a sur nous, on l'utilise qu'une fois, alors que le dé il se recharge petit à petit. Donc là, je vais l'utiliser. Hop, ça me donne 2 cœurs supplémentaires. Ça, c'est des cœurs spéciaux. En fait, on les prend, ça se rajoute en haut à droite, comme vous voyez.
Et une fois qu'on les perd, on les perd définitivement, on les récupère. Donc au niveau du bestiaire, c'est assez complet comme jeu. Il y en a pas mal. Bon, il y en a 2-3 qui se ressemblent, ils changent un peu la tête et puis ils font des choses différentes, genre ils explosent ou comme ça. Et pour un petit jeu, franchement, vraiment pas cher, ça vaut la peine. J'ai oublié un petit détail, à chaque étage, si possible, essayez de trouver la salle cachée. Donc la salle cachée, elle va se situer en général enfermée entre 3 pièces. Regardez la carte en haut à gauche, donc. Là, vous voyez, il y a 4 pièces qui entourent une salle vide. Donc là, il y a de fortes chances qu'elle soit là. Même probablement, on va voir ça tout de suite. Donc vous mettez une bombe, tout simplement. Et si elle est là, ben, ça va faire un trou avec l'entrée. Donc ensuite, on peut y retrouver des pièces. Des pièces ou des objets. Et aussi des machines, comme des machines de casino où on met de l'argent et puis... Ben, on joue un peu à la roulette, faut qu'on chope 3 fois le même item pour que ça le valide. Donc juste là à ma droite, c'est la salle du boss. Je vais pas y aller tout de suite parce que je vais vous expliquer à quoi elle sert la salle qui est juste là en haut. Donc le magasin, il va nous falloir une clé à chaque fois pour l'ouvrir, à n'importe quel étage. Et donc, tout de suite. On y retrouve, ça dépend, on peut en retrouver entre je crois 2 et 5 objets, ça dépend en fait, c'est un peu de chance. Puis ben, ils vont un peu de tout, des objets qui vont nous être utiles, comme tout simplement des points de vie. Donc là, vous voyez, j'ai 14 pièces. J'aurais bien pris l'échelle, mais bon, il manque juste une pièce. Donc, tant pis. On va passer au boss tout de suite. Donc je vais me battre contre Famine, il est pas très dur. Vous voyez le boss, il y a une barre de vie en haut qui s'affiche. Celui-là, il est pas très compliqué, il invoque des mouches quand on reste en haut ou en bas par rapport à lui. Et si on se met sur le côté, il va nous charger. Ça y est. Ensuite, il y a une deuxième phase avec ce boss où il va perdre son corps tout simplement. Puis il restera plus que la tête et puis il va nous cracher 3 petites boules rouges comme les mouches là. Voilà. Hop, donc chaque boss va nous donner un objet, hein, à chaque fois. Donc à peu près par étage, si on a beaucoup de chance, on peut trouver au maximum 5 objets entre les coffres en or, le magasin, les salles secrètes, le boss. Ça dépend, tout dépend de la chance et de comment ça a été généré le niveau. Donc là j'ai un cube de viande, hein, tout simplement. Hop, je le prends. Donc il va tourner autour de moi, il pourra arrêter les projectiles qui arrivent, hein, sur lui directement, et ça, ben du coup ça va arrêter le projectile, je vais pas prendre les dégâts. Et si je trouve un deuxième cube de viande, ben il va évoluer en petite tête qui tourne de Super Meat Boy en fait, qui crache aussi avec moi en même temps, en plus de protéger toujours. Après, si on trouve un troisième bout de viande, il va avoir des petites jambes et puis il va foncer sur les ennemis pour leur faire des dégâts. Et si on en trouve encore un, il va grandir et puis il va toujours foncer sur les ennemis. Par contre là, il va faire vraiment très mal. Donc si possible, si on arrive à avoir les 4 bouts de viande, c'est génial. Mais sinon, le premier, bon ça va, ça fait juste une protection, mais au moins en avoir 2, ce serait pas mal. Je vous dis juste, le boss là que j'avais, c'est obligé à 100% de chance qu'il drop donc le petit bout de viande. On a beau utiliser le dé autant de fois qu'on veut, il y aura que ça. C'est les seuls boss en fait, il y a 4... 4 boss sur des chevaux comme lui, et c'est les seuls à drop justement les bouts de viande. Et pour avoir plus de chance justement de croiser ces boss, il y a un item qu'on peut avoir, c'est une sorte de livre à la place du dé là, et puis ça nous augmente je crois les chances d'en croiser un de 70%. Donc si on le chope assez tôt, on croisera les 4 et on aura le Super Meat Boy qui va faire très mal. Sinon, bah, en général, on finit avec un bout de viande, les parties ou deux, ça dépend. Donc après, il y a une trappe une fois qu'on a tué le boss qui apparaît. Simplement, on rentre dedans et on va passer au niveau suivant.
Les niveaux sont coupés en deux parties à chaque fois. Il y a le premier étage et le deuxième. Ensuite, on passe à un environnement différent, avec une musique différente, des monstres différents, boss différents, entre autres. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, regardez, par exemple, la petite tête là à gauche, vous voyez, elle est normale, elle est couleur peau normale. L'autre à droite, elle est un peu jaune. Donc, elle va faire plus mal, ses projectiles seront plus gros, elle sera plus résistante, mais par contre, elle nous lâchera à chaque fois un objet. Mais pas d'objet. Ça va être que des objets primaires comme les pièces, bombes, clés ou cœur, tout simplement. Donc là, je vais partir le plus vite possible à la recherche de la salle dorée, si possible. Donc, quand je dis salle dorée, c'est bien sûr la salle avec l'objet. Donc, ben, j'ai pas eu de chance, j'étais au bout du couloir, il y avait rien là. Hop. Juste éviter les coups. Plus vous. Moins vous encaisserez de coups, et plus vous aurez des chances d'aller jusqu'au bout, parce que des cœurs, dans certaines parties, on en trouve très peu. Selon sur quel objet on tombe, on va jamais avoir des points de vie supplémentaires, donc vaut mieux jouer la sécurité et pas aller comme un malade, perdre des cœurs pour rien. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai ramassé une pilule avant, vous la voyez en haut à droite là, qui est utilisable avec cube, et c'est marqué 3 points d'interrogation. On ne sait pas du tout quel effet elle va avoir. À chaque nouveau départ de partie, ça va être un effet différent. En gros, ben là la pilule que j'ai rouge avec des petits points rouges sur l'autre côté, ça se trouve elle va augmenter mes points de vie dans cette partie. Et à la suivante, elle va tout simplement les baisser ou faire un bad trip qui enlève un cœur, plusieurs effets. Donc je vais vous montrer tout de suite ça en direct, je vais l'utiliser là. Donc là vous voyez, c'est marqué en bas à droite Range Up, ça veut dire que ma portée elle a augmenté. On peut le voir ici, j'avais 2 carrés au début, là maintenant j'en ai 3. Ensuite là, bah, il y a une autre pilule, c'est comme l'autre, l'effet nouveau à chaque début de partie. Hop, j'utilise. Donc là, Bombs Arcade, ça transforme nos bombes en clés tout simplement. Pour info, les pilules, quand elles vous augmentent vos stats, elles vous changent aussi un peu votre apparence. Vous voyez, là, je suis un petit peu plus bleu. J'ai oublié de vous préciser un truc, mais dans ce jeu, une fois qu'on est mort, c'est fini. Faut recommencer une partie, tout simplement. On recommence à l'étage 1. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de checkpoint, il n'y a rien du tout. Il y a que deux moyens de ressusciter réellement. En fait, il y a un pacte qu'on peut faire avec Satan. C'est une tête de chat qui nous suit. Ça nous confère d'avoir 9 vies. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on meurt et qu'on a cet objet, donc. On va ressusciter, on n'aura plus qu'un cœur. On peut pas, on perd tous les autres, hein. On nique avec un cœur, donc c'est vraiment pas évident selon à quel endroit on meurt, donc c'est pas forcément utile quoi comme objet. Donc là, on a un jeu de cartes. Tout simplement, ça se remplace à la place du dé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Puis ben, j'appuie sur espace, ça me donne une carte, comme la carte que j'avais avant, qui me donne les deux petits cœurs. Bleu là en haut à droite, mais j'ai pas trop envie de cet objet, donc hop, tout simplement on va le reposer, j'utilise mon dé et ça le change. Donc là c'est la crotte, donc tout simplement je la prends, j'appuie sur espace, ça fait une crotte et je peux la casser. Donc j'en ai pas trop envie non plus. Un petit détail que j'ai oublié de vous expliquer encore une fois, quand vous voyez des crottes ou des flammes, cassez-les, vous avez une chance qu'il y ait un drop d'objets comme des pièces, des cœurs, des bombes ou des clés. Que des objets primaires, hein, bien sûr, comme d'habitude. Hop. Donc là, la carte que j'ai, ça va me mettre une corne de licorne. Puis je vais faire très mal. Je vais vous montrer ça sur le boss là. À
chaque fois il y a une petite intro comme ça en chaque boss qui montre Isaac, qui montre tel boss. Je l'utilise tout simplement, je suis invincible et j'utilise leur concept d'emploi comme les gars. Vous voyez, ça fait extrêmement mal. Donc, hop, prends le petit bout de viande qui m'augmente les points de vie. J'ai oublié d'aller ouvrir le magasin, donc je vais le faire. Puis, si possible, essayer de trouver la salle secrète aussi, au passage. Il y a aussi un petit truc, il y a des pierres, elles sont un peu plus foncées que d'autres. Et elles ont un petit X dessus. Quand on les casse, elles peuvent soit lâcher des cœurs supplémentaires, des bombes, des clés, et puis un objet qu'on peut que drop dans ces cailloux justement, c'est une petite pierre qui si l'enfonce dans la tête, Isaac, ça augmente les dégâts. C'est toujours utile hein. Donc je l'ouvre, j'utilise ma clé. Donc là vous voyez que il y a la corne de la licorne, c'est bah, justement l'objet que j'ai utilisé au boss, ça va être la même chose, le même effet, sauf que là c'est l'objet qu'on garde sur nous, c'est pas une carte. Sinon il y a deux cœurs. J'aurais pu utiliser mon dé s'il était rechargé, comme vous voyez, ben il manque une salle à accomplir pour le recharger, donc je pourrais pas trop là. Du coup je vais garder mon dé en attendant et je vais continuer aux étages suivants. Juste essayer de trouver la salle secrète. Vous voyez là, il y avait ben, justement trois pièces là en haut à gauche. Je me suis dit bon bah ben, on va essayer. Et ben, elle pouvait aussi être là ou dans la pièce qui était à droite là-bas. J'ai eu de la chance. Donc ça c'est un objet qu'on utilise encore une fois. Vous visez où vous voulez, vous appuyez sur espace, ça envoie une tête qui explose. Ça fait comme l'effet d'une bombe après, ça pète, ça peut casser les murs. C'est toujours utile mais... Comme je vous l'ai dit, le dé il est vraiment sympa parce qu'il permet de, bah, de modifier les objets qu'on trouve, donc d'axer notre partie un peu comme on le veut. Donc là on arrive à un nouvel environnement, comme je l'ai dit, tous les deux niveaux c'est un nouvel environnement avec une nouvelle musique. C'est parti. J'ai oublié de préciser mais à chaque nouvel étage, quand on arrive à la première salle, il n'y aura jamais de monstre. Donc là aussi il y a encore des nouveaux ennemis. Ils sont extrêmement chiants, c'est le terme. Donc encore de nouveaux ennemis. Essayer de survivre, c'est là que je suis pris en sandwich. Donc eux, tout simplement, ils tombent par terre et ensuite ben faut les détruire, sinon ils se recréent, je vais vous montrer ça à l'exemple avec lui. Voilà, tout simplement. J'ai oublié de vous préciser, il y en a qui ont ben, de ces monstres, il y en a, je sais pas si vous avez remarqué, il y en avait un qui avait des yeux normalement, puis il court un peu dans tous les sens et il court plus vite que les autres. Donc comme je vous disais qu'il y avait 2-3 ennemis qui se ressemblaient mais qui avaient des caractéristiques différentes, ben c'est le bon exemple là tout simplement. Donc là des grosses mouches, quand elles meurent elles explosent tout simplement. Ouais, je me suis pris dans la tête. Juste en bas il y a une salle, j'appelle ça l'arène, je sais pas comment les autres l'appellent. C'est une salle où on peut rentrer dedans. On prend un objet qui est à l'intérieur, au milieu. Et une fois qu'on l'a pris, ça va lancer des vagues d'ennemis. Trois vagues exactement. Et à la fin on a encore une chance d'avoir un autre objet, dépend de comment c'est généré encore une fois. Et on peut que y rentrer quand on est avec les points de vie au max. Donc là vous voyez j'ai un cœur en moins, je peux pas. Il faudrait vite que j'en trouve un si possible. Petite précision, s'il nous manque 3 cœurs par exemple, mais qu'on a 3 cœurs bleus, ceux qui disparaissent, c'est bon, on peut rentrer. Hein. Donc là, un nouvel ennemi, vous n'avez pas pu voir à quel point ils sont énervants. Je vous montrerai si j'en trouve d'autres plus tranquillement. Donc là j'ai déjà trouvé la salle du boss, mais je vais pas le faire tout de suite. Tac, donc je vais vous montrer l'exemple là, tout simplement de ce que je vous disais. De si il lui manque un cœur mais qu'on a un bleu à la place, on peut quand même rentrer. Donc là on rentre dedans tout simplement. Et à chaque fois un objet. Ça peut être un coffre doré, ou tout simplement un objet comme bah, la tête ou la corne de licorne qu'on a vu avant, etc. Donc on l'ouvre, ça ferme la porte pour sortir. Donc ça lance la première vague là. Deuxième vague.
Donc eux, c'est des petits bonhommes qui crachent des mouches tout simplement. Quand il meurt, il lâche encore des mouches. Hop, oui, il est mort, il a lâché 3 mouches. Hop, troisième vague. Donc là, vous voyez, celui-là qui est rouge là-bas, vous voyez, je peux le toucher quand il est baissé comme ça. Par contre, quand je m'approche, vous voyez, il tire plus de petites bulles. Donc faut plutôt privilégier la distance pour lui. Par contre, lui, si je le tire et qu'il est baissé, vous voyez, je lui mets absolument aucun dégât. Donc le but, c'est de s'approcher. Il se lève et vous me tirez dessus tout simplement pour le tuer. Tout en évitant ces boules, bien sûr, hein, ce serait toujours mieux. Je vais voir s'il y a la petite salle secrète qui est ici. Donc, une sorte de sangsue. Je crois qu'elle me rajoute 2 cœurs, je suis plus très sûr. On va voir ça. Voilà, donc des cœurs encore, comme je vous le disais. C'est toujours utile parce qu'on en a besoin pour les pactes en fait. À la différence du magasin, Satan, quand on fait les pactes, on sacrifie des points de vie tout simplement qu'on ne récupérera pas contre des objets, mais des objets qui sont pas mal en général. Donc si on arrive à se gaver de points de vie en début et qu'on trouve vite une salle de Satan, c'est toujours bien. Par contre, Satan, petite précision, il n'apparaît que à la fin d'un boss. Donc comme d'habitude, c'est une chance qu'il apparaisse. Je vais vous dire un petit truc là sur le magasin en fait, j'ai oublié de vous le dire avant. Vous voyez là, le prix il est rouge. Ça veut dire qu'en fait si c'est un solde, il est en solde l'objet. Normalement il aurait dû être à 15, donc là il est en solde, il est à 7. Donc c'est à moitié prix à peu près. Et puis ben voilà, je vais le prendre, hein. C'est toujours utile, vous voyez, c'est Little Steve. Il crache avec nous des petites boules. Par contre ces boules, vous voyez, elles sont violettes. Donc elles sont à tête cherchante. On peut avoir un objet aussi qui nous met un troisième œil sur le front, qui nous fait aussi cracher des petites boules violettes, et donc nos petites boules seront aussi à tête cherchante. Je vais vous montrer l'exemple si j'arrive. Ah, c'est un peu compliqué de vous le montrer. Bah, pas grave. Donc j'ai trouvé ma salle dorée. Un peu tard vu que j'ai fini le niveau, que j'aurais pas trop le choix sur l'objet, je peux faire qu'un changement. Là le petit cœur il va me rajouter un point de vie. Je sais pas si je vais changer, allez je vais changer. Hop, la télécommande. Donc la télécommande c'est tout simple, hein. On la prend, on appuie sur espace, ensuite on contrôle avec les flèches à la place de pleurer. Il y a une missile qui tombe tout simplement. Ça ne m'intéresse pas trop donc je vais le laisser. Un petit truc que j'aimerais vous préciser sur le jeu en fait. Pour moi c'est un dungeon, un jeu un peu avec des donjons orientés action un peu on va dire, et avec un petit côté RPG au niveau des objets. Mais c'est surtout un jeu en fait où on doit faire un choix, parce que par exemple si on utilise les bombes au tout début du jeu et qu'on en a plus à ce niveau là, vous voyez je vais louper la salle secrète du coup. Et donc j'aurais pu louper un objet qui aurait complètement changé la partie, enfin, complètement, qui aurait pu simplement vous aider et puis vous faire survivre. Donc faut vraiment faire des choix. Moi personnellement j'aime bien prendre les risques dans ce jeu. Voilà, c'était juste pour dire. Donc là un boss pas très compliqué, hein. Vous voyez, il peut cracher des bulles de ce côté ou de ce côté, ça dépend de où on est placé tout simplement. Sinon il invoque justement ces petits machins là, je voulais laisser en fait. Vous voyez, ils grossissent. Et ensuite il crache des petites boules aussi. Donc vaut mieux les tuer rapidement, bien sûr. Il peut invoquer aussi des grosses mouches et des petites mouches bien sûr. Donc je vais essayer de les tuer, hein. Donc voilà, il est mort. Donc là j'ai le droit à un cintre. Le centre il va me faire pleurer plus vite, hein. Vous voyez là, j'ai 2 flèches au niveau de vitesse de tir. Hop. Je vous montre déjà la différence, hein. Vous voyez, maintenant je pleure 2 fois plus vite. Ce qui est bien utile, hein. Vraiment si on arrive à le maxer à fond avant la fin de la partie, c'est vraiment bon.
J'ai oublié de vous parler de ça, je suis pas sûr que je vous en ai parlé. C'est les petites scènes en fait entre chaque boss, enfin entre chaque étage. On n'est pas obligé de les voir, on peut les passer avec espace, c'est pas du tout un chargement. C'est sympa. Le problème c'est qu'il n'y en a pas assez, mais c'est pas grave. À la prochaine extension, il y en aura certainement des nouvelles, ça fait plaisir. J'ai oublié de dire quelque chose dans la salle d'avant, je vais y retourner après. Parce que je trouve qu'il y avait un bon exemple justement pour quand je vous parlais de choix. Hop. Vous voyez là par exemple? Là j'ai le choix si vous voulez. On va dire il me reste plus qu'un demi-cœur. Donc j'ai le choix soit d'utiliser une bombe pour faire péter le petit muret là. Je vous montre l'exemple hein, tout simplement. Et ça va le faire péter, hop il se déplace à gauche vu que j'ai mis la bombe à droite pour récupérer un cœur. Mais si j'avais pas utilisé cette bombe là, j'aurais pu utiliser un meilleur endroit qui aurait pu me donner un objet juste tout simplement dingue et qui aurait pu retourner la partie quoi. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un jeu où il faut faire des choix. Vaut mieux prendre le risque, hein, ça vaut toujours la peine. C'est comme les pilules, on sait jamais quel effet elles vont nous faire. Autant prendre le risque, hein, ça vaut la peine en général. La pilule que j'ai pas encore utilisée pendant cette partie, on va voir ce qu'il fait. Elle me téléporte. Bon, j'ai de la chance qu'elle va juste téléporter à côté. Alors, elle peut me téléporter n'importe où, hein, dans la salle du boss, dans la salle secrète, vraiment n'importe où. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de trouver la salle dorée le plus possible. Donc, là, vous voyez, un nouveau type d'ennemi encore. Des mouches en fait qui sont accrochées. Quand on met des dégâts, au bout d'un moment, elles se séparent en deux. Donc là il y a la salle d'arcade tout simplement, on arrive, on met une pièce pour rentrer. Dans ce temps on a droit à un petit objet quand on arrive. Et puis là on a droit à trois machines, enfin à trois machines, trois types de jeux différents on va dire. Là on insère une pièce, à faire tourner les petites cases, et il faut qu'on ait trois fois la même image ou recevoir un objet. Là par exemple vous voyez il y a les trois mouches, donc pour faire une mouche. Ça peut être aussi une mouche qui me tourne autour et qui m'aidera hein, tout le long de l'aventure, ça dépend, c'est aléatoire. Vous voyez là, là justement j'ai une mouche qui tourne autour de moi maintenant. Et donc ça agit comme bouclier, et si les ennemis s'approchent, ça leur fera des dégâts hein, bien sûr. Donc là un autre type de jeu, hein. On arrive, on donne une pièce. Hein. Ensuite il cache un objet, il vous montre où c'est qu'il est au début. Il tourne, bon, on peut pas savoir où c'est qu'il est. Hein. Hop, puis on choisit tout simplement un des trois petits crânes. Si c'est le mauvais, ben il y a une mouche qui va sortir, hein, vous attaquez. Si c'est le bon, bah vous allez recevoir l'objet qui vous a montré au début. Et là, on a la machine, j'appelle ça la machine à don de sang, puisque bah, tout simplement on perd des points de vie, hop, contre 10 pièces. Vous voyez. J'espère qu'elle va me faire un petit truc que j'aime bien. Voilà, tout simplement. On a une chance qu'elle explose la machine. Et une fois qu'elle explose, tout simplement, on reçoit le blood bag, hein, donc la poche de sang. Donc on la prend, ça nous augmente notre point de vie de 1 et notre vitesse de déplacement. Vous voyez là j'ai 2 vitesses de déplacement, hop, je le récupère. Vous voyez 3. Donc c'est un objet vraiment, si on arrive à les accumuler, en prendre 2-3 dans les parties, faut vraiment les avoir. Vous voyez aussi bah, la tête d'Isaac elle a changé comme d'habitude. Hein. Donc je vais gaspiller mes autres pièces, histoire d'avoir quelques objets si possible. Donc une fois qu'on a plus d'argent hein, et qu'on est un peu en colère, ben si on a des bombes en trop, faut pas hésiter. Hein. On fait péter, on récupère d'autres objets. Et là une pilule. Donc pilule que je ne sais pas ce qu'elle fait, comme effet, on va essayer. Hop, speed down, donc j'ai perdu de la vitesse. Vous voyez, je suis retourné à 2, c'est dommage. Hop, donc ouais, on va faire péter une bombe. Je vais essayer, il y a peut-être la salle secrète juste là, donc je vais essayer de la mettre entre les deux. Ça va faire mourir les deux. Hop. Donc non. Une pilule, je ne sais pas ce qu'elle fait. Ok, je pleure moins qu'avant. Donc voilà. Donc un parfait exemple de mauvaise chance, hein, bien sûr. Mais genre, ça aurait pu être comme au début et m'augmenter encore mes stats, hein, tout simplement. Donc, ça n'est pas très compliqué.
cliquer ici. Donc, une arène. Les arènes, c'est toujours bien, on peut avoir pas mal de bons objets qui peuvent nous aider en cours de route. C'est parti, on ouvre le coffre. Je sais pas si je les ai déjà vus, mais je crois pas. Donc ça, c'est des ennemis tout simplement, ils marchent tranquillement. Et dès que vous êtes dans leur champ de vision, tout simplement, ils vont foncer dessus comme ils ont fait là, vous allez voir. Donc comme vous avez pu voir, je commence à faire pas mal de dégâts, hein. Ça devrait aller pour le reste de la partie, je pense. Hop, une petite clé au passage. J'ai pas vraiment de chance parce que j'ai pas trouvé les salles dorées assez rapidement, donc j'ai pas pu trop exploiter mon petit dé pendant ce temps. J'espère en trouver une rapidement là si possible. Donc une salle avec une autre machine à 200. On va l'utiliser. Hop, donc vitesse augmentée hein, comme avant, et un point de vie en plus. Vous voyez que je commence à avoir pas mal de cœur. Hein. S'il y a une petite salle pour faire des pactes avec Satan qui s'ouvre, ce serait sympa. Donc les pactes avec Satan, comme je l'ai dit, on sacrifie des points de vie. Hein. On peut sacrifier aussi les points de vie bleus, ça dépend. Ah, nouveau type de monstre là, les têtes rouges là. Elles vous foncent dessus et puis quand elles meurent, elles éclatent, elles font gicler du sang dans tous les sens. Hop, bon, un gros beau milieu. Je sais pas si j'ouvre le magasin, j'ai pas assez de pièces pendant ce temps. Alors, c'est ce que je trouve plus loin. Donc, vous voyez maintenant, une fois que je les ai utilisées, ces pilules, vous voyez, c'est marqué en haut à droite. Maintenant que ça me baisse, bah, justement, le nombre, ma vitesse de tir. Tears down donc. Vaut mieux pas les réutiliser, hein, à moins qu'on soit bête tout simplement et qu'on ait envie de se faire du mal. Hein. Hop, donc encore une fois la salle dorée juste à la fin. Donc ça c'est un objet que je déteste. Hein. Vraiment, je l'apprécie pas. On le prend. Et tout simplement on appuie sur espace, ça fait comme si on posait une bombe et on explose, hein. Ça nous enlève un cœur bien sûr. Mais par contre on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut, hein. Donc avis aux kamikazes, ne vous gênez pas. Hein. Moi c'est pas trop mon trip, je vais changer ça. Donc là Sister Maggie, hein, elle tire avec moi. Vous voyez, je suis assez content de mon choix là pendant ce temps là. J'ai essayé de trouver la salle secrète. Hein. Encore une fois, beaucoup de chance. Hein. Je vais vous donner une petite astuce là aussi. Vous voyez, si vous n'avez pas assez de clés en fait pour ouvrir le magasin qui est juste là à gauche, vous pouvez mettre une bombe là où je l'ai mis et tout simplement faire péter ce mur avec une autre bombe et vous n'aurez pas utilisé de clé tout simplement pour contourner. Je suis désolé, j'ai dû couper la vidéo. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre, hein, donc ça a fait du bruit. Je me suis mis dans un coin, j'ai appuyé sur pause. Hein. Vous avez perdu peut-être 2 secondes de la vidéo, donc je suis vraiment désolé. Hein. Je vais mettre les deux en une, hein. J'ai pas vraiment le choix. Donc je continue. Donc là, je suis entré dans le magasin et comme vous avez pu le voir, il y a un sous-boss. Hein. Et donc les sous-boss, on peut les croiser un peu ben, comme d'habitude aléatoirement. Et vont nous donner des objets, bien sûr. Soit des objets qui vont nous augmenter nos stats ou autre, soit des pièces ou des bombes, hein, comme d'habitude. Donc encore une fois, hein, vraiment, je m'en excuse hein, pour d'avoir interrompu comme ça la vidéo, mais c'était ça ou sinon vous allez entendre quelqu'un me parler pendant 5 minutes et je pense que ça aurait été moins intéressant bien sûr. Donc là je vais vite juste récupérer un cœur hein, si possible avant le boss. Ça sert pas à grand chose mais en fait c'est au cas où pour les étages suivants pour utiliser des machines à sang. Essayez d'avoir les cœurs à fond entre chaque étage hein, parce que si on trouve une salle d'arcade faut les exploiter les machines à sang vraiment. Donc un autre boss hein. Chub. Donc il y a un petit colleté Zelda Ocarina of Time avec lui. Je sais pas si je vais pouvoir monter ça. Bon, allez, j'utilise ma bombe. Vous voyez, il fonce. Comme ça là.
comme les autres, hein, les petits aussi. Et en plus de ça, il pose des petits bonhommes. Et quand il fonce, tout simplement, je vais essayer de faire ça correctement. Poser une bombe, il l'avale, et vous voyez, il explose, il perd des points de vie énormément. C'est comme dans Ocarina of Time, le temple des Gorons, quand on est jeune, ouais. On peut donner des bombes à manger à un boss, hein, boss du donjon de feu. Et c'est comme ça qu'on le tue, tout simplement. Donc là, le dog food, c'est de la bouffe, hein, ça va augmenter encore les points de vie. Hop, on le prend. Vu que j'ai pas mon dé, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Donc là, vous voyez, la salle de Satan vient de s'ouvrir. Hein. Donc maintenant, une fois qu'elle est ouverte, vous avez que le choix d'aller dedans ou de passer à l'étage suivant ou de sortir. Mais si vous le faites ainsi, vous aurez plus la salle. Si je sors pour aller récupérer des cœurs ou des pièces, ça sera trop tard, elle va disparaître. On a vraiment qu'un choix, on rentre une fois, on ressort, elle disparaît. Donc une fois qu'elle apparaît, faut y aller quoi. Donc à droite, c'est la pilule. Un des derniers objets qu'on récupère dans le jeu, hein. Parce que les objets faut les débloquer, faut faire des, par exemple des défis, finir le jeu avec Isaac, finissant Sheol c'est le tout dernier niveau, ou avec Maggie, ou pour avoir beaucoup de pièces dans le jeu, choper des items, etc. Et ça c'est le Monster Book, vous le prenez, vous appuyez sur espace à la place du D1, et ça invoque une des petites bestioles. Vous voyez, j'en ai déjà deux là, Maggie et puis Little Steve, si je dis pas de bêtises. Des petits bestioles qui vont vous aider. Tout simplement des mouches, hein, comme la mouche qui tourne autour de moi. Donc des objets qui m'intéressent pas vraiment. Donc là, la pilule, hein, je sais pas si j'explique, mais je crois pas. Donc vous l'utilisez à la place de l'espace. Hein. Vous la consommez une fois, elle disparaît de votre inventaire. Ça reset le niveau à zéro. Tous les objets que vous aviez, vous restez avec tout ce que vous aviez. Vous recommencez juste le niveau en fait. Ça veut dire que vous avez en fait un niveau supplémentaire. Ça peut aider, hein, vraiment. Vous récupérez plus d'objets, hein, du coup. Ça peut vraiment aider, hein. Mais je vais pas le montrer là, sinon ça va faire vraiment une run très très longue, hein. Donc je vais passer au niveau suivant. C'est parti. Donc là, ça va être un nouvel environnement. Vous voyez, en haut, il y a la progression des niveaux qu'on a parcouru déjà. Ça met des petites croix sur des carrés sur ce qu'on a déjà traversé. Donc nouveau type d'ennemi, hein, tout simplement, ils tournent autour de ce qui où ils sont accrochés là, comme ça par exemple. Donc eux, je les ai pas encore rencontrés, hein. Tout simplement, on leur donne des pièces et il y a une chance qu'ils nous lâchent un objet, soit des cœurs, soit des bombes, soit des pièces, encore une fois. Et au bout d'un moment, ils peuvent nous lâcher un objet important comme un truc qui va nous augmenter les points de vie, tout simplement, ou autre. Donc je sais pas si vous en souvenez, j'avais croisé ces monstres justement aux étages plus haut. Ils étaient blancs, ils avaient pas du sang qui coulait. Donc eux, ils sont plus rapides, hein, et ils font ce grand saut là comme il l'a fait là, et qui fait tomber des gouttes de sang dans tous les sens, hein. Donc ils sont pas spécialement durs, mais il y a un défi où il faut faire les niveaux sans prendre de dégâts, et c'est vraiment lourd quand ils vous en mettent une dizaine dans une salle. Vous êtes obligé de vous en prendre un dans la gueule au bout d'un moment, c'est sûr. Il y a la mouche qui s'est bloquée dans la porte. Je vais prendre celle-là. Et on part sur l'autre. Donc l'arène, hein. Je vais pas hésiter à la faire. Nouveau type d'ennemi. Ils font beaucoup de bruit, hein. Ils crachent donc du sang et ils se téléportent. Donc justement, ça c'est des petits bonhommes, la forme pas évoluée de ce qui était avant là, avec le sang. Ah, ça je sais pas si c'est un petit clin d'œil à Zelda 1, les knights, les chevaliers dans Zelda 1, donc vous pouvez pas les attaquer de front, vous voyez là, je leur mets absolument pas de dégâts, et de dos justement vous pouvez leur mettre des dégâts, comme les chevaliers dans Zelda 1. Je pense bien qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dû y jouer, hein. Une pilule qui transforme les bombes en clés. Je vais pas l'utiliser, hein, je vais garder ma carte. Donc là, une machine à sous, hein, je vais pas l'utiliser tout de suite. On verra ce que j'en fais. Donc là, vous voyez, ça c'est
S'il y a une barre de vie en fait en haut, c'est que ça aurait pu être un boss en fait. Plus tard dans les niveaux, on peut croiser un, justement une petite bestiole comme ça, mais qui est juste deux fois plus grosse et elle se divise plusieurs fois, vous voyez. Oui. Donc là, il y a des mouches rouges, quand elles meurent, elles éclatent et puis ça fait des giclées de sang dans tous les sens. Hein. Hop, un petit coffre. Ah, cool, la salle dorée assez vite. Petite précision, hein, plus vous avancez dans les niveaux, plus les niveaux ils vont être grands. Vous voyez, par rapport au tout premier, là, il y a pas mal de salles déjà. Hop, on y va dedans. Donc l'haricot, hein, tout simplement, vous le prenez et il vous fait péter, je vous le montre en direct. Hop, et voilà, on est content, ça sert à rien. Donc on va changer ça tout de suite. La petite chauve-souris, quand vous tuez des monstres, vous avez une chance de récupérer des points de vie. J'en ai pas forcément besoin, donc je vais la laisser en attendant. Je vais essayer de remplir mon dé, histoire de changer, voir si j'ai plus de chance. Hop, j'ai pas mal de bombes. Peut-être la salle secrète juste là à droite, on va voir ça après. J'ai trouvé le marchand. On va vite l'ouvrir après. Car avec toutes les pièces que j'ai, dès que vous avez 15 pièces, ouvrez le marchand si vous avez une clé. Hein. Franchement, faut pas hésiter. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, si c'est pas en solde, il vendra des objets à 15 pièces qui sont utiles en général. Comme là, la cuillère. La cuillère, elle fait des... Comment dire ? Je crois que c'est justement les mêmes tirs que Little Steve à tête cherchante. Hein. Bon, on va la prendre, hein. J'aime pas trop, mais bon. Qu'à faire. Vous voyez, j'ai le troisième œil là. Hop, il ferme les autres. Puis tout simplement, ça crée des boules violettes qui vont être à tête cherchante. On le voit pas forcément au début, mais quand on a beaucoup de portée, hein, quand on la fond, on remarque directement les boules, elles font le tour des ennemis. Ça, c'est sympa. Donc, c'était un petit check, voir s'il y avait la salle secrète ici. Hein. Être aussi ici ou encore là-bas un petit peu plus haut, juste là, mais je vais garder la bombe, hein. Je vais libérer le petit bonhomme là que je vous avais montré au début, montrer comment ça fonctionne. Petite info avec les bombes, elles vont à chaque fois péter deux cases plus loin, donc là je me colle à ce mur, vous voyez, elle va péter les deux rochers qui sont devant, donc c'est utile à savoir, hein, histoire de pas les, puisque vous aurez pu tuer le petit bonhomme, hein. Hop, donc là, une petite pile. Si je m'en souviens bien, elle recharge directement notre item dès qu'on la prend là. Ouais, voilà. Et puis c'est comme, quand on utilise en fait notre item, c'est comme si on avait déjà fini une salle. Ça mettra déjà, ben là pour le dé, ça va mettre déjà deux petits carrés de recharger, vous voyez. C'est super utile. Hein. Il y en a une autre, un autre objet comme ça dans le genre qui permet de recharger, mais ça c'est en tuant des monstres que ça nous fera recharger notre objet. Donc là, les homing bombs, ça nous donne 5 bombes supplémentaires. Et ça fera que notre bombe, elle, je sais pas si elles ralentissent les ennemis, mais en tout cas, je crois qu'elles sont à tête cherchante, hein, je suis pas sûr. On va les prendre. On va essayer ça en direct. C'est un objet que j'ai pas trop utilisé. Hein. J'ai pris une fois ou deux. Ah, le problème avec ce jeu, en fait, c'est que on nous lâche dans le jeu et... Waouh, ah ouais, pas mal le bug. J'ai fait gicler la tête à l'autre bout. Donc on nous lâche complètement dans le jeu et on sait pas du tout ce qu'il faut faire, à quoi ça sert les objets. Et c'est un problème, mais franchement moi je trouve que c'est un point fort du jeu parce que justement ben, on découvre par nous-mêmes, on se fait plaisir, on prend les objets, on se dit ah merde ça c'est mauvais, j'aurais pas dû le prendre. Donc on le saura pour les prochaines parties, il faut le retenir tout simplement. Donc c'est vachement sympa. Et il y a pas mal d'objets, il y en a 133 si je dis pas de bêtises. Hein. Donc il y a une belle panoplie, hein, si on veut tous les avoir. Je vous montrerai à la fin le tableau des objets. Hop. Donc là il y a le boss certainement juste à côté. Wow. Donc salle où il nous faut des bombes, hein, sinon on peut pas passer. Ils nous en fournissent quelques-unes. Donc je vais essayer de récupérer celles qui sont en bas. J'en utilise deux pour en récupérer trois, donc ça m'en fera gagner une.
Hop. Du coup, j'ai 10 bombes. J'ai oublié de vous montrer un petit détail, afin de vous préciser une petite astuce avec les bombes. Vous voyez la salle par exemple là, vous dites ah mince c'est trop dur, je vais mourir. Et vous pensez que la salle du boss elle est à un autre endroit, ou tout simplement vous l'avez déjà vu et puis vous n'êtes pas rentré dedans. Donc vous dites ouais j'ai envie de sortir. Vous pouvez tout simplement poser une bombe devant la porte, ici, et ça fera exploser la porte et vous pourrez sortir. On peut faire ça avec toutes les portes, hein. Sauf celle des boss, hein. Ça ne fonctionne pas. On peut pas les forcer tout simplement à la bombe. Les magasins non plus, hein. Les salles dorées avec les objets, on peut pas non plus. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser quelque chose sur les salles dorées. Celle du premier étage, il y aura jamais besoin d'une clé. Par contre, toutes celles dans les autres étages, il y aura besoin d'une clé, hein, ça c'est sûr. Donc, encore un boss sur un cheval, hein. Donc j'aurai la tête de Super Meat Boy, vous allez voir tout de suite. Hein. Donc lui. Il lève son cheval, comme ça il peut faire péter des bombes. Ensuite il peut nous. Je sais plus vraiment. Foncer dessus aussi, on dirait, ouais. Plus longtemps que l'autre. Hein. Non, je sais pas trop ce qu'il fait. Je crois que c'est tout. Ensuite il se met comme ça en deuxième phase. Hein. Il nous fonce dessus, rien de spécial, il s'assoit par terre. Pas très très dur. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit avant. Ils peuvent que drop les bouts de viande, hein. On a beau utiliser le dé, ça ne fonctionnera pas, il n'y a rien qui va changer. Donc je vais récupérer le bout de viande, hein. Regardez, hop, maintenant j'ai une tête de Super Meat Boy qui crache avec moi. Voilà, je suis de retour, encore une fois désolé, j'ai encore été interrompu, hein. Je le choisis pas. Hein. Ils arrivent comme ça, ils rentrent, faut vite que je coupe la vidéo, hein, pas que vous les entendez, comme je l'ai dit, ne pas les entendre pendant 20 minutes, hein, c'est pas intéressant. Donc voilà, encore une fois, je m'en excuse, hein. Je vais passer à l'étage suivant. Je vous laisse la petite scène, encore une fois. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout, ou si je vais m'arrêter à cet étage, hein. Je pense que je vais aller jusqu'au bout, et ceux qui veulent pas vraiment être spoil, je leur conseillerais d'arrêter après cet étage. Parce que le jeu est coupé en fait en trois parties, hein, bien sûr. On finit la première fois, on arrive jusqu'à cet étage là. Ensuite, il faut refaire le jeu une fois. Et on pourra faire deux étages supplémentaires. 9 fois de plus. Hein. Et une fois qu'on a fait 9 fois ça, on débloque Sheol, hein, qui est le tout dernier niveau. Donc je préviens à l'avance, hein, pas que vous ayez du spoil gratuit que vous n'êtes pas au courant. Ça, moi en tout cas ça me plaît pas quand on me fait, donc bah, c'est vous qui voyez, hein. Je vais ouvrir le magasin déjà pour voir ce qu'il y a dedans. Donc il y avait une carte, je vais essayer de vite récupérer deux pièces, hein, histoire de l'avoir. La carte, ça va nous permettre d'afficher toutes les pièces qu'il y a à l'étage où on est. En plus de ça, de nous afficher où se situe la salle secrète. Par contre, on va pas savoir quelle salle fait quoi. Par exemple, si on a la boussole après, donc un petit clin d'œil à Zelda, hein, toujours, ça nous permettra de savoir où se situe la salle avec l'objet, le boss, le magasin. En gros, le tout, quoi. Donc si on a les deux objets, c'est vraiment top, hein. Surtout pour la fin, puisque la fin on traîne pas trop dans les derniers niveaux, puisque c'est vraiment pas facile. Vous avez vu, il y a un petit bug là, encore une fois. Crotte dans le mur. J'ai jamais eu ça, hein. C'est rare qu'il y ait des bugs, hein, mais bon, celui-là il est pas gênant, il est plutôt drôle. Mais voilà quoi. Hop, donc là il y a des ennemis, des petites plateformes qui bougent avec des pics, hein, qui sont intuables, hein. Elles explosent juste quand on finit la salle. Hop, là il y a des sortes de petits cerveaux. Quand ils avancent, ils font une traînée rouge. Hein. Si on marche dessus, on prend des dégâts. Et si ils nous foncent dedans, bah, on prend des dégâts aussi. Justement. J'ai oublié de vous parler de ces petits bonhommes là. En fait, quand on passe dans leur champ de vision, bah, ils préparent leur ventre et ils l'ouvrent. Ils le rendent giclé comme ils le font là. Hop, une salle d'arcade. Hein. Donc je vais pouvoir avoir mes deux pièces supplémentaires en sacrifiant des cliqueurs. Hop,
vraiment pas hésiter, hein. Quand vous avez des cœurs, allez-y, faut profiter, hein, vraiment. À prendre le risque, hein, de passer à un ou deux cœurs. Je conseillerais plutôt deux, hein, histoire de pas se faire tuer à la salle suivante, hein. Ce serait un peu bête aussi. Tac, je passe à un ennemi comme ça. Je vais ajuster la salle secrète, non. Ok, elle est peut-être par là. Non plus. Je vais juste aller au magasin acheter la carte, hein, pour savoir où elle est. Au lieu de gaspiller mes bombes bêtement. Un petit truc à faire aussi, c'est... dans les machines à dons de sang. Hein. Si dans votre magasin il y a des cœurs, n'hésitez pas à venir passer et racheter des cœurs. Hein. Car si vous arrivez à avoir une poche de sang, comme je vous l'ai dit, c'est très utile. Hein, ça augmente la vitesse de déplacement, en plus de les points de vie. Donc vous voyez là, ça m'a affiché la carte, hein, donc avec plein de salles grises. Je ne sais pas où est la salle du boss ou autre. Là, vous voyez ces petites têtes là, en fait elles sont invincibles. Et quand il y a encore des monstres dans la salle, en fait elles nous crachent dessus de temps en temps. C'est super, super chiant comme monstre. Hein. Ah bon, bah là, un petit Shubdawoop, je vais le prendre. Hein. Autant prendre un objet qui fait des dégâts maintenant. C'est... on appuie sur espace, hein. C'est un petit hommage à Dragon Ball Z. Je vous montre ça. Voilà, c'était un petit Shubdawoop. Vous avez qu'à taper sur YouTube Shubdawoop. Je vous le marquerai dans la description si vous voulez. C'est dans un épisode où il y a Cell en fait. Il dit quelque chose et qui fait une tête bizarre. Et donc c'est devenu super connu. Ils ont fait quelque chose. Quelque chose sur YouTube et sur les autres sites de vidéos. C'est comme en fait un peu Nyan Cat, c'est devenu super connu quoi. Bon. Faut pas hésiter à l'utiliser là, vu que j'ai pas beaucoup de cœur. Hein. Et vu que ça traverse directement la tête, donc ça va passer derrière et les tuer ceux-là. Vous voyez là, il y en a un qui a la tête de Isaac justement dans le dos. C'est un ennemi un peu plus coriace, et en plus de ça, il est de couleurs différentes, donc il est deux fois plus dur. Vous voyez, il court super vite par rapport aux autres quand il vous voit. Enfin, les autres, ils foncent pas dessus les autres en fait, quand ils vous voient. Lui, oui. J'aurais pu vous donner un petit conseil avant d'entrer là-dedans aussi. Donc là, c'est un sous-boss, hein, pas compliqué. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais donc les salles des boss, hein, tout simplement. Vous voyez qu'elles ont des crânes en fait au-dessus là. Et vu que vous voyez sur la carte que c'est tout simplement la dernière salle qui est dans cette direction, ben ça sert à rien d'y aller tout simplement, donc ce serait pas là qu'il y a la salle du boss. Si vous pensez foncer la salle du boss, ça servira strictement rien. Encore une fois des petits cerveaux. Hop, c'est au boss, qui est maman. À cet étage là c'est tout le temps maman, hein, donc précision. Il faut des coups de talon. Hein. Sinon elle est là par avec des petits bonhommes choper en mettant son œil ou des morceaux de peau. Donc, je vais peut-être mourir maintenant, hein. Pas encore. Bon, tout devrait bien se passer. J'ai pas beaucoup de dégâts non plus. Je vais lui mettre un petit Shubdawoop dessus là. Pour monter les dégâts. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être du spoil pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu. Vu que là, c'est normalement ce que vous arrivez à votre première partie là. Là, la trappe, si elle n'existe pas, il n'y aura rien. Ce sera la fin de votre première partie. Donc, je prends l'objet comme d'habitude. Hein. Quand on finit maman. On peut plus sortir de la salle, hein. C'est fermé, on a que le choix de descendre. Donc faut vraiment vider l'étage, hein, faire tout ce qu'on avait à faire. Et à partir de là, ça va devenir du sérieux. Il n'y a plus de salle dorée, donc plus de salle avec des objets. Plus de marchands. Il peut y avoir encore des salles d'arcade et des salles secrètes. Mais sinon, il n'y a plus rien.
Et donc le but là c'est vraiment d'aller au boss hein, sans hésiter. Ça sert à rien de traîner dans les salles, surtout qu'en général elle devient de plus en plus dure. Donc là vous voyez, c'est rien que j'aille là-haut, vu que vous voyez la carte, il n'y a rien plus loin, là aussi. Donc soit que j'aille tout en bas à gauche là-bas, soit à droite et descendre, monter. Je vais aller en bas à gauche, voir ce qu'il y a. Donc là on peut croiser d'autres boss qu'on a vu plus tôt, dans les étages plus haut. Sur le shooter, je sais pas pourquoi il s'appelle pas. Donc, vous voyez l'ennemi qui tire non-stop, en fait c'est une copie de moi. Tout simplement faut vous coller à lui si vous avez un petit bonhomme qui fait des dégâts quand il touche quelqu'un. Il va pas vous faire de dégâts vu qu'il en a pas et ça va tuer. Parce que sinon il vous imite, donc je me mets là, je tire, il va se mettre juste en face, il va me tirer dessus, donc faut éviter de prendre des dégâts bien sûr. Hop. Faut pas hésiter à utiliser vos objets à ce niveau-là. Hein. Aucune pilule qui réduit les larmes, hein, je vais pas utiliser. Désolé, je parle pas trop là, je suis un petit peu concentré parce que comme vous avez pu le voir, j'avais utilisé quasiment tous mes cœurs dans la salle d'arcade hein, avant. J'ai juste fait péter ça. Et s'il n'y a pas un petit objet, je peux récupérer. Non, encore des pièces. Donc à partir de ce niveau-là, les pièces elles vous serviront strictement à rien à part dans les salles d'arcade. Donc si vous comptez pas faire prendre les salles d'arcade, ça sert à rien de continuer à ramasser les pièces. À moins que vous ayez l'objet monnaie égale power. Donc, plus vous avez d'argent, plus vous aurez de dégâts. J'aurais pas dû rentrer là, donc ça sert à rien. Donc vous avez pu voir hein, un nouvel environnement, un petit étage, hein, une nouvelle ambiance sonore aussi, nouveaux ennemis. Hein. Comme d'habitude, tous les deux étages. Hop, donc j'ai de la chance, j'ai trouvé la salle du boss. Les boss à cet étage, ils sont pas très compliqués en général, je les tue assez vite. Hein. Bah voilà, justement, c'est lui que je tue extrêmement vite en général. Il fait pas 10 secondes. On va voir ça tout de suite. Ah, là il sort, et vache. Faut juste choper le bout de sa queue. Hein. Hop, je sors le shooter. Donc le talon il va augmenter la portée hein. Je le prends, de toute façon j'ai plus le dé donc j'ai plus le choix sur les objets qui me droitent. Ça s'attend faire des échanges. Donc là le 666 ça va nous mettre une marque sur le front avec écrit 666. Et en plus de ça, ça va nous augmenter les dégâts, vous voyez je suis à 3. Hop, je prends. Je suis à 3 encore, bon, c'est bizarre. Je sais pas comment ça se passe avec ces objets mais. Par contre, on le sent clairement que ça augmente nos dégâts. Là, je pourrais échanger 3 cœurs bleus, sauf que j'en ai pas. Ça permet de tirer à travers les objets, genre là, vous voyez le Satan, j'aurais pu traverser. Tout ce qui est pierre ou autre, genre, je les traverse. Par contre, si c'est un ennemi, je peux pas le traverser, hein, ça va s'arrêter sur le cœur de tir. Donc, on passe à l'étage suivant, bien sûr. Je vous laisse encore une fois la petite cinématique. Voir si elle est juste là à droite. Non, c'est vrai que c'est trop beau. Hop. Donc je vais me diriger vers la salle secrète. Donc là, oui, il y a un petit œil au milieu. Faut vite les tuer parce qu'ils sont horribles. Hein. C'est comme dans Zelda Ocarina of Time, je sais pas si vous connaissez les sentinelles, c'est les petits bonhommes qui tournent sur eux-mêmes. Quand ils voient, ils vous tirent un laser, bah, là c'est pareil, ils tournent autour d'eux. Enfin, ils essaient de vous suivre. Dès qu'ils sont dans la ligne de mire, bah, ils tirent et c'est extrêmement mal. Donc, j'ai juste à la salle d'arcade pour faire péter, histoire de récupérer quelques cartes. Bon,
Pas de chance, il va me faire. Tant pis. Je vais voir s'il est là juste à droite, le boss. Là ça m'a utilisé une clé. Il y a des chances qu'on trouve des objets dans les petites serrures comme ça, ok. C'était juste pour une info. Hop. Ah mince, j'aurais pas dû rentrer. En plus je me fais toucher. Hop. Vite que je trouve le boss parce que si je traîne trop je perds pas mal de cœurs. Je vais pas réussir à remonter la fin. Donc, je pense qu'il y en a 2-3 qui veulent l'avoir jusqu'au bout. On va tenter d'aller jusqu'au bout. Hop, un petit cœur. Carte. Justice, ça nous donne une clé, une bombe, une pièce, un cœur. C'est parti. On va vite voir si c'était dans la salle secrète après. Un petit champi one-up, ce serait pas mal, ça me fera susciter une fois avec tous mes cœurs. Non, mince. J'ai tiré quand j'avais posé la bombe, ça a décalé. La corne de la licorne, je sais pas si je la prends, j'hésite. Bon, on va la prendre parce que ce qui est utile c'est que ça me rend invincible un petit moment, donc si j'ai besoin vraiment de survivre dans une salle faut pas hésiter. Là je vous montre une petite astuce comment éviter de prendre des dégâts sur ces pics parce que ça enlève un cœur. Oui, faut marcher en diagonale comme ça tout simplement. Au début on a du mal à le faire hein, mais une fois qu'on l'a fait 2-3 fois c'est bon. Donc le boss il peut que être là-haut hein. Je sais plus ce qu'ils font, c'est qu'ils vont. Bon, j'ai pris un dégât. Les bombes, c'est des clés. Non. Faut surtout pas changer les bombes là. Les clés, ça ne sert plus à rien. Donc, tuer les ennemis qui gênent hein, d'abord. Pas trop s'occuper de. Bon, hop. Un cœur supplémentaire. On n'hésite pas, on fait péter la bombe hein, pour le cœur. Toujours utile. Donc là, ça va toujours être le même boss, encore une fois. Le cœur de maman. Donc là c'est la forme évoluée du cœur de maman, c'est parce que je l'ai tué 10 fois. Donc maintenant elle invoque des boss aussi, elle invoque des monstres. Bah il y a des chances qu'elle invoque des boss maintenant. Je pense qu'elle va invoquer un petit snake et un petit monstro comme d'habitude. Voilà un petit monstro pour commencer. Je sais qu'il est pas très compliqué à la base, c'est un peu plus facile. Un snake. Faire 2-3 bombes aussi. J'ai mis en pouce. Donc là c'est en deux phases hein. Elle va invoquer des monstres non-stop. Je crois qu'on les tue, elle va remonter. Hop. Encore un autre boss. Donc elle va remonter jusqu'à un certain point de vie. Encore un boss. Et ensuite elle reste tout le temps, elle va lancer des petites bombes là, voyez, qui explosent. Et en plus de ça elle prend une petite plaque rouge et si on marche dessus bah ça va nous faire des dégâts. Donc faut tout mettre dessus parce qu'une fois qu'elle meurt il y a tout qui est nettoyé hein. Hop. Donc bah maintenant c'est la salle de Satan, ça va me permettre d'aller à Sheol, la trappe aussi hein. Donc c'est pareil hein, de toute façon. Pour péter les petites flammes, comme je vous ai dit, c'est toujours utile, on peut trouver des objets, là un cœur. Donc j'ai pris juste la salle de Satan pour péter les flammes. Donc là vous voyez, j'arrive à Sheol. C'est pas marqué en haut, parce que c'est censé être le niveau caché un peu, dernier. Donc là c'est vraiment que des salles de vraiment très dures, que des formes de tous les monstres. Pas mal de boss, donc faut vraiment foncer vite sur Satan si possible, le plus vite possible. Toujours regarder la salle secrète hein, s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant.
Donc j'espère pouvoir venir à bout de Satan pour vous montrer ça tout simplement, ce serait sympa. Hop, donc là un boss, hein. Comme je l'ai dit, c'est avec des boss. Donc là, il y a deux choix qui se posent à moi, soit je m'amuse à le tuer, soit je fais péter la bombe, pour tout simplement le passer. Hein. Hop. Ça y est, quand vous les tuez, c'est chiant cela. Donc vous voyez la porte que j'ai forcée avec la bombe, le monstre il est toujours derrière. Hein. Il disparaît pas. Hein. Là. Hop, je fonce, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, je perds beaucoup de points de vie très très rapidement. Donc là c'est encore un boss ça. Ah bah quand je vous parlais du caillou gris qui peut permettre de faire tomber des objets, en voilà un hein, là. Ah bah vous voyez mes bombes elles se collent, ouais, elles sont un peu cherchantes donc. Et donc on a des chances d'avoir des cœurs, des bombes, ou le petit rocher qui augmente les dégâts. Donc faut pas hésiter à les faire exploser quand on les voit. Hop, ça c'est les formes évoluées des yeux d'avant, qui font des plus gros rayons et qui font plus de dégâts, et sont plus résistants. Je tourne autour hein, parce que j'ai pas vraiment le choix. Faut tourner autour, tirer en même temps. Donc, on va essayer de le tuer si possible. Par contre, les boss qu'on va rencontrer dans ces salles, ils vont nous donner aucun objet par rapport aux étages supérieurs. Hein. Que vraiment les boss finaux de chaque étage qui vont donner des objets. Qui pourraient être là à gauche. Pas de chance. Hop. Par la clé, je vais descendre en bas, peut-être juste là. Ouais, il est juste là. Donc, on va essayer de finir ça le plus possible. Ça va se prendre trop de dégâts, si possible. Hop. Donc là, c'est parti pour Satan. Ça va être en trois phases. Au début, on tue un boss, qu'on pouvait rencontrer dans les étages du dessus. Ensuite, ça va passer à la première phase de Satan. Là. Hop, tout simplement pour l'allumer en... Je peux utiliser ça pour augmenter mes dégâts. Je vais garder pour ça, justement si je suis super intéressant. Je suis un peu en concentration là, je ne parle pas trop. Hein. Donc là il va foncer dessus, ensuite il va cracher au demande, oh, il y a... surtout éviter ça, ça va être très très mal. Donc là, première phase de Satan, qui se met comme ça, poser des bombes, ça lui fait très très mal. Tout en évitant ces tirs là, plomber. Je suis en train de le pousser contre le mur, c'est tant mieux parce que ça écarte ses tirs. Donc là, deuxième phase, il va essayer de m'écraser hein, comme maman. Hop, poser des bombes, bouger. Donc je vais poser des bombes, faut pas y aller. Faites attention, là c'est une idée, il s'explose très très mal. Donc là, faut surtout pas que je fasse d'erreur, hein, je suis peut-être dans la merde. On bouge, on pose des bombes, on regarde où c'est qu'on a les pieds, on a des petits muscles là. Hop, on claque la licorne pour être ainsi, et on finit sa tente. Ça c'est fait. Donc voilà, je vous ai montré une run complète de The Binding of Isaac. J'espère vous avoir fait plaisir. J'ai vite fait vous montrer ben, la fin du jeu, bien sûr, hein, vous laissez apprécier ça, avec les crédits. Hein. Donc, voilà. Thank you.
Voilà, donc vous avez pu voir la super musique qui accompagne les crédits, bien sûr, et une partie du bestiaire, parce que il n'y a pas tout qui est affiché, je ne sais pas pourquoi, tout simplement. Donc, comme promis, je vous avais dit que j'allais vous montrer la page dédiée à tous les objets. Donc là, il y a tous les objets du jeu, hein. Tout ce que vous avez ramassé, en fait, réellement. Vous pouvez supprimer votre sauvegarde, mais personnellement, je le ferai pas. Il ne manque plus qu'un objet, c'est l'objet quand on finit le jeu avec Eve, on reçoit le Demon Baby, c'est une sorte de petit animal qui vous suit, qui crache aussi, qui fait extrêmement mal, hein, il paraît. C'est quand on s'approche des ennemis, ils tirent automatiquement sur eux. Sinon, j'ai tout le reste, hein, bien sûr. Donc, comme je vous le disais, il y a des secrets à faire, en fait, c'est des petites achievements. Là, bah, le Demon Baby, il faut finir le jeu avec Eve. Enfin, finir. Tuer Satan avec Eve, ça faut trouver Krampus dans les salles de Satan. On a une chance qu'il apparaisse à la place qui est Satan qui nous demande quelque chose. Après, ben, ça dépend, faut faire 2-3 trucs, finir le jeu avec Magdalene, finir le jeu, tuer le cœur de maman avec Eve. Ouais, il y a pas mal de choses quand même à faire. Hein. Bon, 64-63, c'est parce que je crois qu'il y a eu le patch de Krampus justement qui a rajouté ça. Et je sais pas pourquoi ils y ont pas passé à 63. Vous voyez mes stats aussi, hein. Pas mal de morts, bien sûr. Le nombre de fois que j'ai tué maman. Et les objets que j'ai ramassés, bien sûr. Là, vous pouvez revoir toutes les fins, parce qu'il y a plusieurs fins, en fait, au fur et à mesure que vous finissez le jeu, vous pouvez les revoir. Puis ben, sinon, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de spécial de plus à dire, hein. Je peux vous montrer vite fait les options, mais il n'y a rien d'intéressant. On peut changer 2-3 petits trucs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait vraiment plaisir. Moi en tout cas, ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Donc voilà, je vous souhaite à la prochaine et bonne soirée.